Alors maintenant, bon, il y a un certain nombre de personnes qui travaillent actuellement sur ce phénomène du don, probablement beaucoup plus que le sel, mais entre autres, il y a un groupe, surtout en France, qui s'appelle le MOS, Mouvement Antiguitarisme et Sciences Sociales, mais on en a aussi de Marcel Mauss qui a écrit l'essai sur le don, qui est un des lignes de référence fondamentales sur le don. Bon, est-ce que c'est un paradigme ou non, avoir l'accord et le droit de faire à l'intérieur des gens qui travaillent sur ce paradigme? En tout cas, c'est beaucoup moins organisé, beaucoup moins important que la socio-économie. Et enfin, je suis très heureux de pouvoir présenter un peu cette problématique au Brésil. Bon, ce ne sera peut-être jamais un paradigme, en tout cas ce n'est pas absolument un paradigme, mais le premier point que je voudrais montrer, c'est que le don pose un problème aux deux paradigmes dominants, un dominant et l'autre, dans les sciences sociales. Bon, évidemment, avant de répondre à cette question, un mot, bien sûr, pour avoir une idée de ce que j'entends, de ce qu'on peut entendre par le phénomène du don. De façon négative, on peut dire qu'on peut définir le don comme étant tout ce qui circule dans la société qui ne relève pas, qui relève ni du marché, ni de l'État. Ni non plus, bien sûr, de la violence physique. Bon, ceci négativement. Positivement, on pourrait dire que c'est tout ce qui circule en étant imbriqué, comme disait mon ami, dans les liens sociaux, dans les relations sociales. Bon, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Presque tout ce qui circule entre amis, entre parents, entre voisins, que ce soit sous forme de cadeaux, que ce soit sous forme de services, que ce soit sous forme d'hospitalité, je pense à l'héritage, possède cette caractéristique d'être en dehors du marché et en dehors de l'État. Bon, il n'y a pas seulement ça, il y a aussi une quantité importante de choses, de biens et de services qui circulent entre étrangers et qui prennent aussi la forme du don de sang, le don d'organes, ce sont vraiment des choses négligeables, la philanthropie, bon, etc. Qu'est-ce que tous ces phénomènes, qu'est-ce que toute cette forme de circulation des choses a en commun? Alors là, je vais nécessairement aller très rapidement. Je ne demande pas de me croire sur parole, mais en tout cas, bon, c'est des résultats de recherche qu'on a fait depuis maintenant 6 ou 7 ans. Et bon, qui nous donne les caractéristiques suivantes du rapport de la circulation par le don. Caractéristiques qui nous montrent que ça ne correspond ni au modèle marchand, ni au paradigme holiste. Alors ça ne correspond pas au modèle marchand, pourquoi? D'abord parce que dans la circulation par le don, il y a un éloignement volontaire de l'équivalence de la part des agents sociaux. Bon, la seule chose sur laquelle je vais insister, c'est que l'éloignement volontaire de l'équivalence ne signifie pas circulation unilatérale. Parce que dans le don, il y a retour, et il y a même souvent retour beaucoup plus important que dans la relation marchande. Il y a même une tendance à l'excès, c'est une autre des règles du don. Donc ce n'est pas le don ne se définit pas, le don ne se repose pas au marché par son caractère unilatéral comme on a tendance souvent à le présenter. Il peut être unilatéral, mais ce n'est pas une caractéristique essentielle du don. Une autre caractéristique qui est fondamentale par rapport au marché, c'est qu'on a vu que le marché était fondé sur la liquidation de la dette. Or le don est au contraire fondé sur la dette. Le don, on pourrait définir le don comme un système de dette volontairement maintenue. Les partenaires d'un système de don sont, dans un état de dette, négatif ou positif. Je ne vais pas parler du tout de la dette négative, parce que je ne parle pas ici, mais bon, ça nous entraîne dans tous les problèmes des conflits sociaux, mais je ne vais pas en parler. Mais bon, si c'est la dette positive, ça signifie que chacun considère qu'il doit beaucoup aux autres. Ce n'est pas une notion comptable, par définition, parce que si chacun considère qu'il doit aux autres, ce serait impossible mathématiquement. Alors c'est ce qu'on a appelé un état de dette mutuelle positive. Dans ce sens, ce système
système de temps se situe à l'opposé du système marchand. Puisque le système marchand se caractérise par l'absence de temps, la volonté d'absence de temps et l'absence de temps. Mais alors, si cette caractéristique-là est exacte, on va dire aussitôt, mais alors le don relève du modèle poliste et a tous les défauts du modèle poliste. Et particulièrement, comment la liberté des acteurs peut-elle s'exprimer dans un système, dans un tel système de dette. Or, on ne peut pas plus appliquer le paradigme moliste au don que le paradigme du marché. Et notamment sous la forme du modèle de la socio-économie que j'ai très brièvement décrit. À cause des autres caractéristiques suivantes du phénomène du don. D'abord, il y a une valorisation du plaisir dans le geste du don. Un don qui est fait par obligation, qui obéit à une norme, est un don de qualité inférieure. La morale du devoir ne s'applique pas au don. Or, elle est fondamentale, on l'a vu dans le modèle de la socio-économie. La socio-économie présente un agent social comme se conformant à des règles. Or, les membres d'un système de dons ont un rapport très particulier aux règles. Je passe très rapidement. D'abord, les règles doivent généralement être implicites. On sait qu'on est de très mauvais goût d'afficher le prix d'un cadeau, même d'en parler, etc. Je vais me concentrer sur une dernière règle. Il y a même un rituel dans le don qui consiste à nier le don, à nier l'importance du don. C'est une des choses qui avait beaucoup frappé les anthropologues, qui avait frappé Marcel Mauss. Marcel Mauss disait le donneur, dans la couleur, dans les rituels de don chez les propriétaires, le donneur montre une modestie exagérée. Mais ce n'est pas nécessaire d'aller aussi loin pour constater cette règle. Nos propres formules de politesse disent exactement la même chose. Quand quelqu'un, quand on donne quelque chose à quelqu'un et qu'il nous remercie, on lui répond de rien. Dinada, dinada, portugais, en tout cas, il y a des états, toutes les langues, enfin toutes les langues que je connais. En anglais, on va encore plus loin. On répond my pleasure. C'est mon plaisir, ce qui est très intéressant par rapport au modèle qu'on a vu tout à l'heure de la socio-économie. Pourquoi c'est rituel, c'est rituel moderne. Mais parce que de cette manière, on diminue l'obligation de rendre. On rend le retour incertain. On rend l'autre libre de donner à son tour. Parce que si ce qu'on lui a donné, ce n'est rien, il n'est pas obligé de rendre. Il est lui aussi libre de me faire un don. S'il me donne quelque chose, ce sera un vrai don. Comme l'a laissé bien remarquer le philosophe français Claude Lefort, on ne donne pas pour recevoir, on donne pour que l'autre donne. On constate donc que les acteurs du don introduisent volontairement et en permanence, un risque dans l'apparition de ce qu'on appelle le contre-don. Ils introduisent une incertitude, une indétermination, afin de s'éloigner le plus possible du contrat, de l'engagement contractuel, marchand ou social, mais aussi afin de s'éloigner de la règle du devoir, en fait de toute règle de type universel. Pourquoi? Parce que ces règles ont la propriété d'obliger l'autre indépendamment du lien qui existe avec lui, indépendamment de ses sentiments, mon égard. C'est donc pour laisser l'autre le plus libre possible de rendre ou de ne pas rendre qu'on a ces rituels. Il y a donc de la liberté dans le don. Mais ce n'est pas le même type de liberté que le marché. Ce n'est pas en liquidant la dette, ce n'est pas en facilitant la sortie de la relation
que la liberté du danse se réalise. Mais elle se réalise à l'intérieur de la relation, à l'intérieur du lien lui-même. Elle vise à rendre le lien lui-même plus libre, en multipliant les rituels qui visent à diminuer le poids de l'obligation pour l'autre au sein de la relation. C'est un jeu constant entre liberté et obligation. Le système du don, le système social du don est donc non seulement opposé au modèle marchand, il est opposé au modèle marchand et donc au modèle plus du devoir. Il est opposé en fait, cette valorisation de la liberté de l'autre le rend même différent de la plupart des modèles sociologiques habituels. Même ceux qui sont éloignés du holisme. Je voudrais illustrer ce point en comparant ce modèle du don avec l'analyse stratégique, qui est un modèle, je pense, très connu en sociologie, des organisations, de façon assez générale. Comparons très brièvement ces deux modèles. Dans l'analyse stratégique, on considère que chaque acteur, dans le but d'accroître son pouvoir, son contrôle sur l'organisation, essaie de réduire ce qu'on appelle dans ce modèle-là, c'est de réduire sa zone d'incertitude. Dans le but d'accroître son pouvoir. Or, observation de la circulation du don conduit à croire que l'acteur est aussi porté, dans certaines relations sociales, non pas à réduire, mais au contraire à créer et à maintenir des zones d'incertitude entre lui et autrui. Dans le rapport de don, l'acteur ne vise donc pas à limiter la liberté des autres, mais à l'accroître. L'acteur d'un système de don tend à maintenir le système dans un état d'incertitude structurelle pour permettre à la confiance de se manifester. C'est pourquoi les normes, quelles qu'elles soient, doivent continuellement être transgressées. Il faut que se produise quelque chose de non prévu dans ce qui est obligatoire. Alors, en conclusion de cette partie, on peut dire que comme l'individualisme idéologique, le modèle du don considère, avec par exemple le sociologue de Moudon, considère suspect les normes obligatoires qui s'imposent aux acteurs comme facteurs d'explication. Sous cet angle, c'est une parenté importante qu'il a avec la théorie des choix rationnels. Mais, on constate que la liberté du don est finalement plus importante même que dans le modèle économique. Car le modèle du don est le seul système d'action qui valorise la liberté des autres. Le seul système d'action qui incite ses membres à accroître la liberté des autres. Et aussi, bien sûr, par comparaison, par opposition au modèle du paradigme dominant, il est le seul à être fondé sur la vérité. On peut donc dire que le phénomène du don, le modèle du don, ne relève d'aucun des deux paradigmes dominants. Il nous oblige à sortir des deux paradigmes. Esther, sociologue Esther, résumait bien ce problème qui est souvent mentionné quand il disait « Si le vice des économistes est de tout comprendre en fonction des intérêts, le vice sociologique est de voir en l'homme l'exécutant passif des normes sociales. » Bien, le don ne correspond effectivement à l'idéologie. Mais est-ce qu'on peut franchir un pas de plus? Alors, dans la dernière partie, j'aimerais suggérer que oui, j'aimerais suggérer que le don, non seulement ne relève pas les deux paradigmes, mais j'aimerais suggérer que le don remet en question le privilège paradigmatique de la théorie des choix rationnels, dont on a parlé au début.
Avec l'individualisme et le holisme, on dispose apparemment de deux principes d'explication de l'action humaine. L'intérêt d'un côté, l'internalisation des normes de l'autre. Mais est-ce que ce sont vraiment deux principes? Pourquoi faut-il absolument postuler que les comportements dont le moteur n'est pas l'intérêt doivent être appris, doivent être internalisés? En posant cette question, on revient au problème du privilège paradigmatique du modèle de l'intérêt. Car si on doit supposer que tout comportement non régi par le modèle de l'homo economicus a besoin d'être internalisé par les agents sociaux, c'est bien parce que finalement on fait le postulat que seul l'intérêt est naturel, que seul l'intérêt n'a pas besoin d'être socialisé, que seul l'intérêt n'a pas besoin d'explication. En fait, le privilège paradigmatique de l'homo economicus est le fait que l'autre paradigme soit en quelque sorte condamné à concevoir l'acteur social comme l'exécutant passif des normes sociales, comme disait Hester, c'est la même chose. Car c'est parce qu'on ne reconnaît qu'un seul ressort réel de l'action humaine que tout modèle qui sort de l'intérêt est confronté au problème sans solution de l'internalisation des normes, puisqu'elles ne peuvent pas être naturelles. Seul l'intérêt a ce privilège d'être naturel. Or, on a vu que le modèle du don ne se satisfait ni du postulat de l'intérêt, ni de l'intériorisation des normes. C'est pourquoi, sous sa forme la plus radicale, la plus osée peut-être, le modèle du don conduit à la nécessité de postuler un autre ressort psychologique, un autre ressort de l'action humaine, au même titre que l'intérêt. Donc, à côté de ce qu'on appelle l'appât du gain, l'étude du don nous conduit à postuler l'appât du don. C'est un postulat qui n'est rien d'évident, je ne pense pas pouvoir vous en convaincre aujourd'hui, mais après, je vous aimerais au moins vous en montrer la possibilité en terminant. Que personnellement, je suis de plus en plus convaincu que l'appât du gain comme seul moteur n'a rien d'évident et que l'appât du don n'est pas si farfelu. On a vu qu'une réflexion sur le don, c'est en fait une tentative pour comprendre ce que c'est qu'une obligation sociale ou qu'une obligation morale, à la fois libre et obligatoire. C'est un problème philosophique très connu de tous les grands philosophes, mais c'est aussi un problème que tous les grands sociologues et fondateurs de la sociologie se sont posés, en particulier Durkheim. Notre rapport à la société passe sûrement par des liens contractuels et par des normes extérieures, mais ce lien est insuffisant et il n'est probablement pas le plus fondamental, comme l'avait noté Durkheim. Je cite Durkheim. Le philosophe Kant a essayé de ramener l'idée de bien à l'idée de devoir. Mais c'est une réduction impossible. Il faut que la morale nous apparaisse comme aimable. Il faut qu'elle parle à notre cœur et que nous puissions l'accomplir même dans un moment de passion. En agissant moralement, nous nous élevons au-dessus de nous. Il y a quelque chose qui nous dépasse, nous nous arrachons en quelque mesure à nous-mêmes. Fin de citation. Cette description correspond parfaitement à l'expérience du don telle que la décrit les agents sociaux dans nos enquêtes. Quel que soit le type de don, on retrouve cet étrange rapport à la règle, ce paradoxe de l'obligation d'être libre.
de l'obligation d'être spontané qui fait que le don est fondamentalement différent du marché et de l'État. Le marché et l'État, mais l'État-providence, sont certes deux inventions formidables. Il ne faut pas renier pour autant. L'État et le marché sont aussi très pratiques, surtout quand on ne souhaite pas établir des rapports personnels avec les gens. Mais ils sont insuffisants dans le rapport avec ceux qui comptent vraiment dans la vie, et même dans certains rapports avec les étrangers. Pourquoi? Parce que le marché et l'État sont deux institutions neutres. Elles sont extérieures par rapport aux liens avec les personnes qui nous sont proches. Et surtout, elles ne sont pas libres à la manière du don. C'est pourquoi, avec ceux qui comptent, on aime faire passer les choses par le don, en ayant confiance qu'on ne se fera pas avoir. Donner en faisant confiance qu'on ne se fera pas avoir, c'est la base de toute société. S'il n'y a pas cette confiance, il n'y a pas de société possible. C'est la lutte contre le déterminisme, contre la nécessité. Tu n'aurais pas dû, ce n'était pas nécessaire, dit-on à celui qui nous offre quelque chose. On le libère ainsi de l'ordre de la nécessité. On dit exactement le contraire à un fonctionnaire. Vous devez me dispenser ce service, c'est une obligation, c'est nécessaire. C'est mon droit. En ce sens, le don s'oppose au système mécaniste et déterministe pour se rapprocher de la vie. Il existe une tension permanente entre l'État de don et les systèmes plus mécanistes comme le marché et l'État. Ces derniers tendent toujours à ramener la circulation des choses à leur loi, qui est la loi de l'équivalence mécanique, la loi de la nécessité qui est tellement plus rassurante que la liberté. Mais de son côté, le don tend toujours à ramener les autres systèmes à sa règle aussi, qui consiste à libérer l'échange et à faire apparaître quelque chose de non prévu, qui sort des règles. Un dernier exemple pour illustrer cette idée. On paie pour un spectacle. En échange, l'artiste donne son spectacle. Donc, c'est l'insertion d'un échange humain dans l'équivalence monétaire. Mais on constate que cela ne suffit pas. S'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé le soir du spectacle, les spectateurs vont applaudir, vont manifester autrement qu'en ayant payé. Ils vont donner un surplus à l'artiste, un supplément qui se situe hors du système marchand. En réaction, l'artiste va faire un rappel. Il va donner quelque chose au spectateur qui était non prévu, hors du contrat. De cette façon, il va créer ou il va maintenir un lien vivant entre lui et les spectateurs. Il n'est pas tenu de faire ce rappel dans le contrat. Mais c'est un surplus, ça n'a rien à voir avec l'équivalence marchande. Mais cela peut devenir avec le temps, avec l'habitude, avec la répétition de l'événement. Parce que le système marchand tend toujours à intégrer sur ce surplus qu'introduit le don, à le ramener à un échange équivalent. Mais alors, on aura tendance à inventer autre chose, à continuellement sortir de ce qui se fige,